Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le sac à dos Levity 45 de Osprey. Le côté remarquable de ce sac, c'est sa super légèreté, puisqu'on est sur un sac de 45 litres qui fait autour de 800 grammes. Et en plus, on a un système de dos filé avec un gros volume d'air à l'intérieur. Donc, du confort pour randonner par temps chaud et un sac ultra léger. La contrepartie de la légèreté, c'est qu'on est sur un équipement relativement minimaliste par rapport à des sacs plus lourds et que c'est un sac qui, bien sûr, est conçu pour porter léger. Il fait 800 grammes, si vous voulez porter 8 kg, ça va bien. Si vous voulez porter 10 kg ou plus, il vaut mieux prendre un sac plus structuré, plus rembourré pour avoir un meilleur confort. En termes de portage, je vous disais, donc on est sur un dos filé qui va permettre d'avoir un écart permanent entre le porteur et le sac. Donc on a un bon report de charge sur les hanches et on a un écart permanent de haut en bas entre le porteur et le sac. Donc intéressant pour randonner par temps chaud et intéressant pour les personnes qui transpirent beaucoup également. Alors en y regardant plus près, on se rend mieux compte de la ventilation. Vous voyez que ce dos filet, il est ventilé dans le dos, mais il est ventilé également jusqu'au niveau des fesses, ce qui n'est pas le cas souvent au niveau des dos filets tendus, au niveau des fesses ça touche, ici c'est super ventilé. Même chose au niveau des ceintures, vous noterez que la ceinture est très fine, ce qui explique la légèreté, ce qui explique aussi qu'il ne faut pas porter très lourd avec ce sac à dos. Même chose au niveau des bretelles, elles sont quand même relativement rembourrées, plutôt confortables, mais également très ajourées. Ensuite, côté équipement, comme je vous disais, là on va avoir un équipement plutôt minimaliste qui est un peu la contrepartie du poids. Donc poche externe, on a de la poche ouverte sur le côté. On peut mettre, là j'ai mis une gourde, j'ai encore la place de mettre d'autres choses. On a une grande poche ouverte en façade assez pratique, puisque là on peut glisser un vêtement d'une carte, c'est accessible immédiatement. Un rabat avec une petite poche sur le dessus et puis le compartiment principal. Vous voyez que l'équipement, c'est le, on va dire, c'est le minimum qui permet quand même d'agencer correctement son sac. Au niveau du rabat, pas de poche intérieure par exemple. Et puis compartiment principal, des petites sangles de compression quand même sur le côté. Tout est fait avec des tissus assez fins de façon là encore à gagner du poids. En résumé, le Levity 45, c'est un sac qui va convenir si vous cherchez un sac ultra léger pour mettre également des choses très légères dedans. Et puis avec le bonus si vous randonnez par temps chaud et si vous voulez quelque chose d'hyper ventilé. Vous le retrouvez sur rayonrando.com.